Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio, ici Jake. Ce soir je suis accompagné d'Endo. Bonsoir Endo. Salut. Ce soir on est sur du jeu de société, on est sur Ticket to Ride alias Les Aventuriers du Rail en français. C'est un jeu de société très connu dans le monde et il y a une version numérique. C'est un jeu de société, si je ne me trompe pas, qui est sorti en boîte physique, donc vrai jeu de société en 2004, dont l'auteur est Alan R. Moon, qui est un Britannique, illustré par Julien Dalval, qui est français, et Cocorico, du coup. C'est un jeu dont l'objectif est de relier des villes par des chemins de fer. Et pour la version numérique qui existe sur Steam, sur mobile, c'est depuis 2012. Et Les Aventuriers du Rail, ça se décline en plein de versions différentes. Ce soir, on va être sur la carte classique des États-Unis d'Amérique. Et il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres pays, il y a plein d'autres continents, il y a la carte Europe, il y a la carte France, il y a la carte Allemagne, il y a la carte Grande-Bretagne, il y a une belle map aussi sur l'Asie, il y a les pays scandinaves, il y a plein de versions différentes du jeu, que ce soit en boîte physique vraiment et aussi dans la version numérique, et il y a aussi des éditions anniversaires en boîte qui sont juste magnifiques, et vraiment elles sont magnifiques. Salut le chat, salut. Ah ben Daft, bonsoir Daft. Il a combien sur Steam? Il a une dizaine d'euros. Les autres maps sont en DLC effectivement pour entre 2 et 4 euros. Mais on peut très facilement avoir le jeu ailleurs que Steam. Donc on peut choper des clés Steam ailleurs pour environ 80% moins cher. C'est pas des blagues. Vous connaissez tous Instant Gaming, Kinguin, Go Clé CD, G2A, etc. Vraiment, on trouve le jeu pour une poignée d'euros avec les DLC. Vraiment, faites-vous plaisir. Le jeu est bien sympa entre potes. C'est un jeu familial aussi, donc faut pas hésiter. Allez, Mister Endo, partons aux États-Unis d'Amérique, du coup aux US. Si la map et la préparation arrivent, ça charge. C'est bien lent même. Alors, je vais créer, si j'y arrive. On n'est pas en Europe, non. On est aux USA. Map classique, enfin la map normale de base, la toute première. Tac, 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 on est bon. La salle, c'est Iva Sand. Le mot de passe, c'est, on peut le dire, c'est pas grave, c'est Poney. Oui, oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je t'attends. Rejoindre Poney. Oui. Et voilà. Bon, attends, je te vois. Ah si, c'est bon. Eh bien, voici. Comment ça se déroule? Nous avons des cartes tickets qui sont nos cartes de destination, en fait. On en pioche 3 dès le début de la partie. On doit choisir si on conserve les 3 qui vont être nos objectifs, une seule ou deux. On pourra par la suite piocher de nouveaux objectifs dans la partie. Et l'idée, c'est vraiment de relier nos points. Vous voyez les points verts, là. Ensemble, idéalement en faisant d'une traite, ça permettra de rapporter des points en plus, et en fonction des destinations, de la difficulté, des longueurs, on a plus ou moins de points. On pioche également 4 cartes de couleurs, qui sont des cartes wagons. Nous avons aussi à droite d'autres cartes de couleurs qui est c'est la pioche commune, en plus d'avoir la pioche bleue ici pour piocher d'autres cartes wagons qu'on va avoir à faire. Dans chaque tour, on peut faire une action. Soit on pioche, soit on pioche deux cartes visibles sur la droite là, de l'écran. Soit on pioche deux cartes random bleues là-dedans. Mais si y a des locomotives qui peuvent apparaître dans la pioche commune visible, si on prend une locomotive, on prend qu'une carte par contre. On n'a pas le droit d'en prendre d'autres. Mais si on pioche une locomotive dans la pioche invisible, eh ben on peut quand même piocher une autre carte. Sinon, une autre action, c'est de poser des wagons du nombre de... Par exemple, je regarde la Seattle Helena en haut à droite. Si je veux poser là, il me faut 6 cartes jaunes wagons pour pouvoir poser ce tronçon-là. Et on les pose en un coup, on ne pose pas un wagon par wagon. On pose en un coup. Donc il faut vraiment avoir les 6 cartes, jaunes ou les jokers ensemble à poser. Ou alors on pioche dans le tour, ou alors on choisit de piocher d'autres cartes destination. Ce qui est un peu qui tout double en vrai. Alors, voilà, le blabla est fait. Il y a d'autres choses à dire encore. Bah dans le fonctionnement d'un tour.
Oh bah oui, par exemple, les cases grises peuvent être remplies par n'importe quelle couleur. Oui, tout à fait, en effet. Et vous voyez, par exemple, entre Portland et San Francisco, il y a soit 5 verts, soit 5 roses. Et donc on peut mettre la couleur qu'on veut, soit du vert, soit de rose. Mais après, on va savoir que comme on n'est que deux, une fois que ce trajet-là est pris par quelqu'un, il ne peut pas être repris. Par exemple, si Jack met 5 cartes roses, entre San Francisco et Portland, du coup, je ne pourrais pas mettre 5 cartes vertes. C'est ça, et on ne peut pas mélanger rose et vert. C'est soit on pose que C'est le ça. vert, soit on pose que le rose. Ça, c'est la map la plus classique. Après, il y a d'autres déclinaisons sur les autres maps où il y a une histoire de gare, il y a une histoire de ferry, il y a une histoire de locomotive spécifique. Sur la map Grande-Bretagne, il y a le quart tunnel aussi. Sur la carte de la Grande-Bretagne, c'est encore plus spécifique parce qu'il y a une histoire de composants à avoir. C'est vraiment Sérieux? la carte la plus dure, je pense même. Mais elle est très très intéressante, encore plus stratégique. Donc là, moi, que vais-je choisir? Je vais pas le dire à l'oral parce que sinon Ando il va tricher. Tu parles alors là, tu sais, j'ai un oeil sur le Twitch, donc Ah bon, il si triche je veux. déjà. Bon, bah, il triche Non, je déjà. triche pas, je triche pas, je triche pas. Alors, j'ai le choix. Je vais garder deux objectifs. Tac, tac. Je choisis ça. Et là, soit. Ouais, mais c'était un monsieur. Et là, maintenant. Là, tu commences direct par ça, toi. Je le Là, prends. il est direct stratégique. Il la voit un petit bout à 1. Et c'est vrai que les petits bouts à 1 sont hyper importants pour bloquer l'adversaire. C'est quand même. Oh, pour mon intérêt personnel aussi. Peut-être. Voilà. Mais là, du coup, je vais plutôt piocher, je pense. Je vais plutôt piocher. Ouais. Voilà. Eh bien, je vais piocher aussi, tac et tac. Vous avez entendu le chouchou, ça veut dire que c'est la fin d'un tour. Je vais continuer à piocher. Il y a un dos qui pioche aussi beaucoup. Oui, je fais un peu de stock. J'aime pas les couleurs de cartes que tu prends, ça n'augure rien de bon. Genre entre Elena et Duluth. Elena et Duluth, Duluth. Duluth, Duluth, Ah, Duluth. faut bon, on va le dire la française, hein, Duluth. Oui, voilà. Non, ça va en fait. Tout va bien en fait, j'ai rien dit. Très bel instrument de musique. Oh, punaise. Ah, C'est un donc. petit peu antique quand même, un peu vieux, un peu archaïque. Oh, c'est mignon. Ou alors tu pars sur du Denver, Kansas. Denver, Kansas, Denver. Hein. Je ne dis rien. Mystère. Ça m'intrigue. Je pense que je vais jouer la sécurité dans ce cas, je vais prendre quelque part, je vais poser du orange. Ce qui m'embête, c'est ton petit wagon là. Tu m'as dit que c'était pas que pour me bloquer, donc je me doute que tu as un objectif spécifique à faire. Non, pas du tout. Loulouloulou. Ah, je crois que je l'ai embêté. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Je l'ai peut-être pas embêté du coup. Je ne l'ai peut-être point embêté. Ouais, donc tu vas vers Denver, quoi. Peut-être pas. Alors, si vous me demandez les États des États-Unis d'Amérique, je vais pas pouvoir vous en citer beaucoup précisément. Si vous me demandez San Francisco, je vais dire la Californie.
Mais si vous demandez en plein milieu à Elena, là, je suis incapable de vous dire quel état c'est. Très bonne question. Ah, j'ai pas fait exprès, pardon. Ah, bah oui, du coup, quand il y a trois jokers qui sont sur la pioche commune, ça, on enlève la pioche commune et on en redistribue. C'est ça. Faut savoir aussi qu'en fonction du nombre de wagons qu'on pose en même temps, on n'a pas le même nombre de points. Vous voyez un petit en bas à droite de la map, un wagon posé, donc là par exemple Dallas ou Stone, c'est un point. Deux wagons posés, c'est deux points. Trois wagons posés, c'est quatre points. Quatre wagons posés, c'est sept points. Cinq wagons posés, c'est dix points. Et six wagons posés, une ligne de six wagons, c'est 15 points. Donc faut être stratégique partout. Si tu vas à New York, je peux pas te bloquer. Quel dommage. Pourquoi? Bah, j'allais effectivement à New York. Bah oui, mais du coup tu poses, tu vois. Bah oui, quel dommage pour toi du coup. Il y a des villes dès que du Canada quand même. Oui, un petit peu. Il y a Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal. Et par contre, au milieu, Sault Ste. Marie, je sais pas si c'est US ou Canada. Pour moi, c'est US. US. Ah, il y a Toronto aussi, pardon, Canada. Yes. Vous voyez la jauge là, c'est le nombre de cartes restantes dans la pioche en fait. On a aussi un nombre de wagons limité, à savoir qu'on en a 45 au début. Là par exemple, Jake il lui en reste 28 et moi 29. Et il va se passer quelque chose quand il n'y aura plus de wagons, ou presque. Oui, ça va avec l'anarchie.
C'est assez embêtant parce qu'on est tous les deux du même côté de la map. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire là. C'est beaucoup handicapant. Et même si tu pioches des cartes qui sont sur l'ouest, du coup, pour rejoindre les deux morceaux de train, ça peut être compliqué. Punaise, ça va se jouer à 1, quoi. C'est mort. C'est mort. Fait des trajets bizarres. Très bizarre. Disons que quelqu'un m'a un peu bloqué. Ah. Ah. Oh, quel dommage. Oui, quel dommage comme tu le dis. Par hasard, aurais-tu voulu aller à Miami? Non. Ah bon? T'es à Atlanta, New York. Mais du coup, j'ai pas fait le chemin le plus court. Tu t'es un peu embêté, oui, en effet. En effet, oui. Est-ce que je t'embête? Ah, mais peut-être que je mets mon trajet dans le désordre exprès pour te perturber. Non, je vais suivre mon petit bonhomme de chemin, moi, et puis voilà. Ah oui. Attends. 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh punaise, pour l'instant, c'est toi qui as le trajet plus long. Mmh. Ah. C'est embêtant. Pas fini. J'aurais dû t'embêter, je le savais. Qu'est-ce que... C'est quoi ce trajet? J'ai peur de ce que tu vas faire. Principe de précaution. Ah, punaise. C'est vrai. Oh, je me suis dit ça va se jouer à autour là. Et là, du coup, principe de précaution. Le petit 2 là. Voilà. Comment est-ce que je vais jouer après? Ah oui. Non, on peut le faire comme ça, Instagram.
Aïe aïe aïe. Rien que pour t'embêter. Dernier tour. Et je viens de m'handicaper à un wagon près. T'as pas... Il te manque un jaune ? Non, un rose. Un rose. Ah mince, oui, j'ai pas vu celui-là. Eh oui. Il me manque un wagon, je peux pas le poser en fait. Ah ouais. Donc dernier tour, là, je n'ai pas d'autre choix que soit... je fais le fifou et je prends des objectifs en plus en espérant que d'un coup ça se valide. Soit que je pioche, mais ça me sert à rien. Soit je cherche un endroit où poser mes wagons, histoire de rentabiliser quelque part. Finesse, mais ça m'embête parce que en vrai, en termes de cartes, j'aurais pu poser le rose. C'est juste là, c'est le wagon qui me dérange. Donc il faut que je cherche un bout quelque part. Ah, il y en a un. Ouais, bah je vais sauver l'honneur. Tant pis, je pourrais pas avoir la ligne de chemin de fer la plus longue là. Donc tant pis. Ouais, t'as pris 4 objectifs, donc peut-être que. Ah, t'en as que 3. Ouais, j'en ai que 3. Faut dire qu'en donc, privé. Soit je fais le fifou. Vas-y, vas-y. Soit je fais le fifou et je pose des 4 objectifs. Soit je pose mes 2 dernières cartes, mes 2 derniers wagons et puis. Voilà. Ouais. Deux wagons pour 5 cartes couleurs, t'as pas deux bleus, deux roses. Ah si, j'ai 2 verts, je peux les poser sans problème. Oui, voilà. Ouais. Bon, du coup, je vais faire ça d'ailleurs. Et hop là. C'est 2 points de prix. Hein. Oui. Faut dire qu'on y a quand même pas mal joué avec Ando, en privé, on aime bien ça. Et en général, Ando, il fait la ligne la plus longue et il prend masse objectif. Et là qu'il en est que 3, ça me paraît bizarre. Ça sent pas bon pour moi, hein. T'as fait des très très longs trajets. Là, le plus long trajet ne sauvera pas, je pense. Et non, c'est fini. J'ai jamais envie de dire à plat de couture. Ah oui, d'accord, ok. Je l'aurais jamais compté comme ça, oui. Oui, c'est un jeu énormément long comme trajet. Oui. GG. Non, mais c'est l'objectif qui... Effectivement, le nombre d'objectifs qui a fait que. Bien joué. Le GG. Hop là. Comment on fait pour retourner le menu? Il veut pas. C'est ici le menu. Oui, c'est ça. Allez, go. On repart. Alors. Il va ça. Hop là. J'adore mes objectifs. Attends, je réponds à un message que je viens de recevoir. Vas-y, vas-y. Message d'Imra. Ah. Il n'a rien à voir avec ce soir, mais du coup je lui réponds, c'était important. Alors, les objectifs de cette partie-là... J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est que ces objectifs? Bah ça c'est mort, allez. Pff, tant pis. Ouais, c'est mieux de faire comme ça. Pas ouf, pas ouf. Je tente. T'as quand même pris les 3. Hein. Je tente. Franchement, je pense pas réussir, mais je tente. J'aurais dû le garder et le tenter quand même, mais sans forcément rejoindre les deux trucs. Tant pis.
Ah, oh, punaise. Je t'ai bloqué? Ouais. Sérieux? Ouais. Ça va falloir faire un grand tour, hein. Ouais, bah alors là, par contre, pour le faire... Zut. Joker. J'ai l'impression que tu fais le même trajet que tout à l'heure. À peu de choses près. Punaise, ça renvoie derrière, ça fait 3 ou 4 fois déjà que la pioche commune. Yes, ouais. Effectivement, ouais. Tu vas vers New York, Boston? Bah oui. Non. Tu vas souvent vers Los Angeles, bah voilà, voilà. Je vais vers Montréal. Et là, il part
ailleurs au final. Ah non. Alors, oula. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ah oui. Ah, j'en avais que deux aussi, hein. Ok. Ça, c'est rigolo. Ça, j'aime moins. Allez, on va s'amuser un petit. Ah, c'est inquiétant. Pardon? J'aime pas ce qui est en train de se passer, que t'es en train de te défausser de tous tes wagons et bloqué. J'étais bloqué? Non, je... au bout d'un moment, si tu défenses tous tes wagons, moi après il me restera plus qu'un seul tour quoi. Mmh. Donc faut absolument que je fasse mon petit truc au plus rapidement possible quoi. Je vais plutôt être stratégique à partir de maintenant. Comment ? Je vais être stratégique maintenant. Bon, je pense que sur le plus long trajet, ça sera toi. Oui. Bah, sans hésitation, oui. Sur le truc. Je
pense que j'ai jamais fait un aussi long trajet. J'aurais pas dû faire comme ça, hein, tant pis. Oi oi oi. Je le sens mal. Bon bah voilà, c'est perdu. Je sais pas combien de wagons ça fait, mais je suis sûr que j'ai jamais fait autant. 45 je crois. T'as tous tes wagons. Non, moins 3. Ah non, 45, moins 3. T'en as moins 3, ouais. 42, moins 3, 42 wagons. Eh ben pas mal quand même, 43, 42 ans. Tu sais qu'il y a un succès comme ça si tu arrives à faire un trajet de 45 wagons. C'est vrai ? Ah oui, bah oui, ouais. Tous les wagons, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est tendu quand même, t'imagines ? Oui, alors, quand tu joues à 5, c'est chaud quand même. À 5, c'est pas possible. À 5... Ou alors, il faut vraiment anticiper tous les autres coups. Après, il y a les doubles voies à 5, mais bon. C'est vrai. Alors, ah bah, je vais faire exactement le même trajet, dis donc. C'est vrai ? Non, non, non. Non, non, c'est pas vrai. Allez, je suis un fou, faut bien s'amuser. Ah ben je pourrais pas refaire exactement le même trajet. Pourquoi ? Non, c'est... Attends. Non, c'est le bout que tu m'avais pris tout à l'heure, ça. C'est, ouais, c'est le même bout que j'ai pris tout à l'heure. Donc, oui. De chance. Et la même je chose. Je viens piocher deux jokers. Punaise. Et allez, encore un. Mince, oh j'ai fait clic. Tu t'es trompé ? Bah ça... En fait j'ai cliqué deux fois de suite, sauf que le jeu l'a imprimé. Donc la carte n'est pas encore apparue. C'est pas grave. Ah. Il va à Los Angeles.
Pourquoi tu vas à Los Angeles? Comment? Pourquoi vas-tu à Los Angeles? Quelle est la raison de ton voyage? Je ne vais pas à Los Angeles. Oui, dit-il. Et après, je vais poser ailleurs et après il fait « Oh, je vais à Los Angeles !» Ah, bichtre! Yes! Oh. Mais c'est qui m'agace, lui, hein? Attends, tu veux passer par où du coup? J'ai pas prendre une solution. Par le noir, mais... Bah Ah bah tant oui, pis, il y en aura par trois le... qui seront perdus et puis voilà. Hein. Je vais pas faire un Ouais, grand c'est... tour Ouais, non ouais. plus. Non, ouais. Non, mais t'as raison. J'ai vraiment pas de chance avec le tirage en plus. Oi, oi, oi. Oh, des trucs intéressants. Oui, peut-être. Allez, je vais poser mes 6 wagons noirs. Non! Allez, c'est parti. Je rage quitte! Ça va, c'est bon. Pas de panique à bord. Mais tu me laisses? Ah bah tiens! Non, il est à moi! Ce sont mes noirs! Alléluia. Ah oui, d'accord, c'est nul en fait ça. Ah oui, c'est pas intéressant du tout. Je pense que je suis pas parti pour faire le trajet le plus long, hein. Mais pas du tout. Que tu repasses par Winnipeg en fait, par le nord là. Ouais, mais même, ça va être compliqué là. Est-ce qu'il irait pas à Vancouver ou Seattle, lui? Peut-être. Déstabilise. T'as combien d'objectifs? 3. Oh punaise, 12 wagons. Ah oui. En effet, ouais.
Alors, ne pas s'agacer, Baptiste, ne pas s'agacer. Pourquoi j'étais encore bloqué? Bah oui! Tu prends tous les accès à Chicago! Bah, il te reste Toronto. Ouais, super! Il faut du blanc! Ah là, j'ai pas de blanc! J'y arrive pas. Allez, je vais être gentil. Je vois pas en quoi c'est gentil. Je t'ai pas pris. Je t'ai pas pris le blanc. Ouais, mais j'ai plus qu'un tour et du coup, c'est foutu. Ah bon, c'est pas grave, c'est pas une énorme carte non plus. Mais ça m'embête un peu. Tant pis, il faut marquer plus de points, du coup. 15. Ouf. Et j'ai plus de wagons. Ouf. Bon, donc tous les wagons ont été posés, là. Oui, oui. Donc je ne peux rien faire. Tu peux piocher, si tu veux. Je peux piocher, je pourrais tenter un voyage. Sachant que t'as assez étalé, en fait, donc... Ouais, mais... Ça se tente, mais j'ai intérêt à avoir de la chance, quoi. C'est ça. Le score, en dehors de ça, toi, t'as 3 objectifs, moi j'en ai 4. Tu sais déjà que j'en ai raté un, j'en ai plus que 2. D'accord. C'est une chance que tu gagnes déjà, en fait, moi je n'en prendrai pas. T'as la ligne la plus longue, t'as 19 points, ouais, t'as 10 points en plus. Mais t'as quand même la ligne la plus longue. Donc je pense que si je reste comme ça, le score est serré. Ou alors je tente. Alors ? Alors celui-là, c'est non. Montréal-Winnipeg. Montréal-Atlanta. C'est non. Ah ouais, chaud aussi. Alors ça serait pas joué à grand-chose. Seattle-New York. C'est dommage. Seattle. Seattle-New York, ça se joue à 2 wagons verts. Ah bah oui. Duluth El Paso. Là c'est plus compliqué. Ouais, pareil. Donc. El Paso. Ah si, El Paso, ouais. Ouais, donc là, dans tous les cas, je ne fais aucun objectif. Donc, et vu que je suis. Voilà, ça, je suis obligé d'en choisir un. Donc, bon bah. Je prends le moins cher, mais je perds des points là, du coup. Ça m'arrange. Ah ouais, c'est chaud, j'ai perdu. Tu fais des gros objectifs de ouf. Ah, c'est dommage, il était simple celui-là. Bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah. T'as gagné. T'as gagné. Un peu, de 2 points. Voilà. Je fais comme toi, 42 wagons. Ouais. Bah tu vois, j'aurais pas pris l'objectif, j'aurais gagné au final. Mais là, au final, ça restait serré. Hein. Je t'avais dit de pas le prendre. Ouais, oh, j'ai tenté. Tiens, fais-toi un joli screen, voilà. Tac. Non, je suis pas comme ça. Je le fais pour toi. Je ne m'amuse pas à divulguer mes victoires sur Twitter, moi. Je vois pas de quoi tu parles.
Et pas comme ça à étaler ma supériorité. Oh, de suite. Face à une pauvre et innocente créature. Mmh. Innocent. Parle de moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est vraiment pas terrible. Ouf. Ouf, ouf. Et c'est pas grave, on prend les trois, parce qu'on aime jouer. Oh là ! Punaise, ce trajet. T'as dit que tu prenais les trois ? Oui, je m'amuse. Ah ouais, mais là... tendu, quoi. C'est à moi ? Ah pardon. C'est à toi. Pardon, désolé. Pour l'instant, c'est un duel de pioche. Ouais, mais bon. Bah oui. Je sens bien le Las Vegas Miami là.
quoi ? Tu pars pas sur le trajet plus long du coup. Je sais pas. J'ai essayé de le faire mais c'est compliqué. Mmh. Ah mais ce matin le Discord. C'est compliqué oui en effet. Mon dieu. J'ai pas les bonnes cartes en plus. Oh là là la poisse. Ah ok d'accord. J'ai réussi à joindre les deux bouts, c'est déjà pas mal. De quoi ? J'ai réussi à joindre les deux bouts, c'est déjà pas mal. Ah ! Ah ! Oui, en effet. J'ai zéro carte. Hein. Pas pour tout de suite.
This is the end. Trajet de 45 wagons. 45 wagons ? Ah oui, il fait 45 wagons. Tout ça pour avoir le succès. Non, j'ai aussi rempli mes objectifs au passage. D'accord, bah moi je marque mes points. Ah, plus 15. Bah, de toute façon, je peux rien faire donc. Est-ce que je tente un petit coup de poker ? Non, t'as le 45 wagons, si tu veux gagner, gagne correctement quoi. Allez. T'imagines si le succès c'est gagner avec le trajet 45 wagons. Bon. Oh punaise, j'ai de ça en plus. Ouais, parce que toi t'as 5 succès, 5, ouais, 5 objectifs donc. Ça me fait peur, j'en ai que 3. Ah, t'as fait les 5 en plus. Je t'avoue que le petit bout bleu Atlanta Miami m'a fait stresser. J'étais pas sûr. J'ai fait le dernier coup de tirage de ce d'objectif, c'était un peu. Un j'ai peu perdu. Du fifou. J'ai pas eu le succès. Ah, tu vois, ben ça doit être ça alors. C'est que ça doit être ça. Je m'en vais de ce pas vérifier. Steam. Alors. Les succès. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Attaque. Ouais, c'est ça, transcontinental. Gagné en réalisant une route continue de 45 trains. Ah là là. Je suis dégoûté. Aïe aïe aïe, tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu. C'était la combien de parties ? 3, 4 ? C'était la quatrième. Là, t'as 3 victoires et moi j'en ai une seule. Ok. Allez, go la 5. Yes. Il est là. Tac. Je pense que ce sera la dernière en vrai. Ok. Oh putain, ça va dans tous les sens là. Ça oui, ça oui. Oh. Allez.
retournes à Los Angeles encore? Non. Petit bug. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus ma souris. Ah zut. Un tab. Ah, je suis plus dans la partie. Comment ça, t'es plus dans la partie? Attends. Ah, c'est bon. Je reviens. Voilà. Tac. Los Angeles. Poum poum poum. Poum poum poum. Poum 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 poum. J'ai envie d'acheter un harmonica maintenant. Ça sera juste un énième instrument de musique à ta collection. Je vois pas ce que tu parles entre un automatoné, un kazoo, un ocarina, un stylophone, une flûte, un kalimba aussi. Ah, c'est trop bien le kalimba. Ouais, mais j'arrive pas, ça fait mal au pouce. Punaise, tu vas à Seattle. Seattle, c'est où? Attends, je vais à Seattle. En haut à gauche. Ah! Non, c'est bon. Tu vas à Portland. Non plus. Tu vas à Winnipeg, à Calgary, à Helena. Tu peux aller par là, c'est bon, t'inquiète. Tu peux aller à Portland et Seattle, t'inquiète. Non, mais je sais, je cherche à savoir ce que tu fais toi. Parce que je comprends là déjà que tu pars sur tes 45 wagons. Ça va être compliqué, je pourrais pas. Ah ouais? Si je passe comme... Attends, faut que je compte parce que j'ai plus que 20 wagons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, je pourrais pas. Je vais faire 19 au lieu de 20. C'est hyper dur à faire en fait. Ouais. Non mais je vais filer droit comme on dit. Tu vois, tu vas à Calgary. Par contre, je suis embêté, moi. Je suis embêté parce que j'ai pas les couleurs qu'il me faut. Putain, punaise, t'as 64 points. Oui. Waouh. J'ai fait des très gros trucs, j'ai fait 3 trucs à 6 points. Enfin, 6 wagons, pardon, à 15 points. Ouais, j'ai pas choisi une bonne stratégie, je pense. Mais en même temps, c'était hyper dur et... Soit je suis passé par là où t'es passé en bas, et dans ce cas, on s'est handicapé tous les deux, ça aurait été pas intéressant.
soit, je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir choisi ces trois cartes-là dès le départ, en fait. Le trajet le plus long sera pour toi. Mais non. Ah bah si. Ah oui, bah oui, vu comment t'es découpé. Ah, quoique, quoique, quoique. Je pourrais pas rejoindre. 7. Parce que c'est pas possible. Ouais, mais trajet plus long, c'est pas forcément rejoindre. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 10, 7, 8, 14, 22, 5, 5, 8, 8, 32. 32 pour toi, parce que du coup j'ai compté toi en premier. 8, 9, 10, 6, 11, 9, 12, 13, 14, 13, 13 et 4, 17, 18, ouais, 20, 22, 24. T'es devant. 26, 28, ouais. Mais c'est maintenant que... Pff, mais j'en ai plus besoin de cette couleur maintenant. Punaise. Oh, le petit plus 10. Ah bah je te copie, tiens. Plus 10. Oh, c'est bon, t'as le trajet le plus long. Ça y est. De 45. En fait, je suis pas sûr de gagner en vrai. C'est fou, j'arrive pas à voir la couleur que je veux. J'arrive pas à choper un rouge, c'est fou. Bah justement, j'en ai attrapé alors que j'en voulais pas. Là, depuis tout à l'heure, je fais des trajets avec des jokers. Ouais, j'ai vu. Mais bon. Eh ben... Faut marquer plus de points du coup, Baptiste. De toute façon, tu rempliras pas ton objectif. Comme ça, je peux pas ici. Ah, j'ai que 4 wagons disponibles. Tu t'es fait avoir? Bah, je vais faire le rapprochement entre Denver et Oklahoma City. À entrer pile poil, il me fallait 4 rouges. Et bah, j'ai 3 jokers et 0 rouge. Ah merde. Mercredi, ouais, pardon. Il me manquait pas grand chose, donc... Parce que les 4 rouges, je les ai dans la main, là, tu vois. Ouais, bah ça va. Et ben du coup, dans ce cas-là, on va poser 4 couleurs comme ça pour faire un truc un peu plus long, mais je pense pas que ça te dépasse. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais poser du rouge, parce que j'en ai pas besoin. Ici. Merde.
45 wagons. Ou ça va être serré. Parce qu'il y a ça. C'est ça. Ah, c'est toi qui gagne. Bravo pour le succès. Et s'il y a succès, il y a, et soit je l'avais déjà, soit il n'est pas apparu. Ah. Ok. Du coup. Ah, pardon, le chat, je vous avais pas vu. Bonjour, Torval. On est sur la fin, là. Désolé, on coupe assez tôt aujourd'hui. Salut, Adios, merci pour le GG, c'est gentil. Ah, j'ai pris que 4 screens de. Je voulais prendre toutes les fins de screen de partie, j'en ai pris 4 sur 5, mince, tant pis. Évidemment, la seule que t'as prise, c'est celle où j'ai gagné. Non, il y en a une où t'as gagné que j'ai pris. Parce que du coup. Mais je crois que c'est la toute première, j'ai peut-être pas pris. J'aimerais voir mes succès. Oh, ça rame à mort, sérieux. Ça, c'est Steam. Dès que j'ai Steam ouvert, de toute manière, c'est fini pour moi. Ouais, j'ai aussi un peu de mal avec Steam. Et en même temps, il y a tout qui. Ils te mettent des effets de partout, donc forcément, ça rame encore plus. Moi, je veux juste voir les succès. Question avant. T'as validé combien de succès? Combien j'ai de succès sur Ticket to Ride? Oui. Je vais te répondre dans un instant, si le jeu m'y autorise. Oh là là, ça rame. Normalement, tu peux le regarder en plus. Pour l'instant, je suis à 9, 10, je suis à 10. 10, à la vache. Alors, j'ai 5. Chef de train, joué 20 parties, donc ouais. Chef de train niveau 1. Manomètre, faire plus de 80 points, manomètre 80. Faites ouais. Plus de 120 points. Ok. 3 tickets points sonnés, réussissez ça, 3 objectifs. Là, je suis un peu perturbé parce que faire plus de 120 points, tu l'as déjà fait. Oui, en 2019. Tu l'as fait 120 points? Oui. Là, parce que moi aussi j'ai déjà fait plus de 120 points et j'ai pas le succès. Enfin bref. Bizarre ça. Je t'écoute pour la suite. Baron du rail gagné contre 4 Vanderbord. Ouais, bon bah des bottes quoi. Ouais, je l'ai fait aussi. Corps des Alpes gagné sur le plateau suisse sans un seul objectif transfrontalier. Oh, ça en gros, sans toucher les autres pays. C'est ça. Sur la plateau suisse, je t'avoue que c'est compliqué. Hein. Fakir, gagné sur le plateau Inde sans aucun bonus mandala. En gros, c'est les bonus spécifiques à ce plateau. Main de Kali, gagné sur le plateau Inde sans que vos adversaires n'aient marqué de bonus mandala. Santa Express, gagné en ayant pris la route Murmansk-Lixka. Bref, c'est là-haut, quoi. Carte Grand Voyageur, gagné en validant au moins 3 objectifs, valant chacun 10 points au plus. Ça, c'est les succès que j'ai fait. Et tous ces succès-là datent tous de 2019. Okay. Voilà. Après, dans les autres succès, sans rentrer trop dans les détails, il y a des succès joués 100 parties, 1000, 5000, 20 000 parties. Ouais, faut vraiment avoir du temps. Hein. Mais après, il y a des succès, et franchement, je vois pas trop comment j'ai fait. Faites plus 160 points. Bon, là, j'y étais presque, il n'y a pas si longtemps, enfin, la partie d'avant. 200 points, 240 points, 300 points, 400 points. Cela. Voilà. Réussissez 6 objectifs poinçonnés. Pour l'instant, je suis à 5 maxi. 9 objectifs poinçonnés. 12, 15. Voilà, faut y aller. Vagabond, gagné sans réussir un seul objectif. Celui-là. Voilà. Pont sur chevalet, gagné sans prendre de route à un ou deux espaces. En gros, tu fais que des grandes routes. C'est ça. Drésine, gagné sans utiliser de carte locomotive. Ça encore, ça peut tenter. Le transcontinental, gagné en réalisant une route continue de 45 trains. Et bah c'est celui-là, je l'ai fait du coup. Bah si, je viens de le faire à l'instant là. C'est il n'est pas validé. Ok. Tender, gagné en ayant pris toutes les routes de couleur noire. Classe Eco, gagné sans avoir jamais eu plus de 10 cartes couleur en main. Et ça, c'est assez tendu. Ouais. Joueur de poker, gagné en ayant pris toutes les routes de 5 espaces. Mais en fait, je pense que c'est quand même sur des plateaux spécifiques certaines choses, ça me paraît bizarre. Peut-être, ouais, mais c'est pas indiqué donc. Ouais. Film vieillot, gagné en n'ayant pris que des routes grises.
Joe la Dynamite gagne une partie dans laquelle aucun opposant n'est rempli d'objectif. Bon, ça, faut vraiment jouer fourbe. Citadin, bah après, ça, c'est des variantes dans les succès dans les variantes. Donc, succès variante, variante, variante. Variante aussi. Sur la carte Europe, qu'on connaît un peu tous les deux, on gagnait sur le plateau en utilisant les trois gares. Mais attention, quand tu utilises les trois gares, tu perds des points bonus. C'est ça. L'Orient Express, oh mon dieu, je l'ai pas fait celui-là. J'aimerais beaucoup faire ce trajet-là. Gagner sur le plateau Europe en reliant par le rail Londres, Paris, Munich, Vienne, Budapest, Bucarest et Constantinople. Istanbul. Et après, pareil, il y a d'autres choses comme ça. J'ai le Moscovite d'ailleurs. GG. Et après, tout le reste, c'est que. C'est que il y a trop de choses, quoi. Ensuite. Voilà. Ok. Allez, sur ce, on coupe. On s'arrête là. C'était 5 parties des Aventuriers du Rail Ticket to Ride sur le plateau USA classique. Il y aura d'autres sessions de Ticket to Ride sur d'autres plateaux. Sûrement avec Ando, je pense. Oui. Et si d'autres personnes veulent nous rejoindre sur Ticket to Ride, il est sur Steam. Il est facilement trouvable pour beaucoup moins cher en clé Steam sur d'autres sites. Renseignez-vous. Il y a plein de DLC bien sympa. Et si vous êtes plus jeux de société, jeux de plateau, je vous conseille fortement de vous procurer les Aventuriers du Rail physique plateau, car c'est un vrai jeu de société, car c'est juste génial. C'est vraiment... j'adore ce jeu. Et vous pouvez vraiment, vraiment passer un très très bon moment en famille ou entre amis. Et ce n'est pas un placement de produit, et c'est bien dommage. J'aurais beaucoup aimé, mais là j'en parle de tout mon cœur. Ce jeu est très 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 bon. Voilà. Suivez les différents réseaux, vous connaissez la chanson, rejoignez le Discord, suivez, abonnez-vous sur Twitch. Prochain stream sur Ivasan Studio, c'est pour ma pomme, et je vous retrouve demain après-midi sur la Switch avec du WarioWare Get It Together, un jeu bizarre, fun, déluré, mais bizarre, et très 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 intense, vous verrez. Sinon, il y a quoi d'autre mercredi soir? Donc demain soir, il y a Draken qui revient sur Rayman Origins. Jeudi... Il y a quoi jeudi? Jeudi soir, je crois que c'est moi. Sur WarioWare encore. Je suis pas sûr en vrai. Regardez les plannings. Allez, regardez les plannings, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Jeudi soir, c'est toi, WarioWare. Et vendredi soir, Redraken, Rayman Origins. Oui. Et samedi matin, attention samedi matin, très tôt, mais vraiment très tôt, et pas, les très tôt pour mettre la table, hein, les très tôt, genre c'est très tôt le matin, c'est du Ring Fit, ça sera 9h, c'est très tôt, mais j'ai pas le choix. Voilà, sur ce, passez une agréable nuit, une agréable soirée, voilà. Cordialement, bisous. Ciao.